Vrai ou faux? Justifier. Petit a, si AB égale LM, alors ABLM est un parallélogramme. Faisons un schéma. ABLM, AB égale LM. Est-ce que c'est un parallélogramme? Pas forcément. Il faudrait que ces deux côtés opposés, qui sont déjà égaux, devraient être parallèles. Et ça, c'est pas dit, hein. C'est pas dit, hein. Même dans le schéma que j'ai fait, AB et LM ne sont pas parallèles. Donc c'est faux, en général, bien sûr. Petit b, si un quadrilatère a deux diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange. Diagonale perpendiculaire. Perpendiculaire. Et ben voilà, je trace ça. Perpendiculaire. Deux diagonales perpendiculaires. Est-ce que c'est un losange à votre avis? Non, je crois pas, non. Hein? Bien sûr, si les diagonales étaient perpendiculaires et qu'elles se coupent en leur milieu, ça aurait été bien un losange, mais cela ne l'est pas. Donc c'est faux. FAUX. En général, bien sûr. Et le dernier, ABCD en parallélogramme. ABCD en parallélogramme. Regardez comme j'ai fait le schéma. J'ai tracé deux segments parallèles et égaux. Alors, si ABCD est un parallélogramme avec AB égale BC. AB égale BC. Alors AC et BD seraient perpendiculaires. Qu'est-ce que vous en dites? Eh bien déjà, parce que AB égale BC, dans un parallélogramme, les côtés opposés sont égaux, donc AD égale aussi BC, et constatez que ce quadrilatère a tous les côtés égaux. Il est bien aussi un losange. Et dans un losange, on sait que les diagonales sont perpendiculaires. Donc c'est vrai. Si un quadrilatère a ses quatre côtés de même longueur, alors ses diagonales sont de même longueur. Si un quadrilatère a ses quatre côtés de même longueur, ça sent le losange. Le losange, quatre côtés égaux. C'est une propriété. Les diagonales sont de même longueur, mais évidemment, pas forcément. Les diagonales peuvent être une plus grande que l'autre. Donc, c'est faux en général. Si un parallélogramme a deux côtés de même longueur, alors c'est un losange. Si un parallélogramme, je dessine un parallélogramme, deux côtés de même longueur. Ben, si ces deux côtés sont ceci, c'est pas forcément un losange. Hein? Bien sûr, dans la propriété, il fallait que les deux côtés dont on parle soient consécutifs. Et là, on ne dit pas qu'ils sont consécutifs. Donc, c'est faux. FAUX. En général, ce n'est pas un losange. Et le dernier, c'est un parallélogramme à un angle droit. Parallélogramme. Les côtés opposés parallèles, angle droit. Ah ben déjà qu'un angle droit, il est rectangle. Et les diagonales perpendiculaires, et en plus les diagonales perpendiculaires, alors c'est un carré. Mais c'est la propriété, donc c'est vrai. Propriété du cours, rectangle et même carré.